En gros, c'est un texte que j'ai écrit il y a 3 ans et que je joue. C'est le seul texte de. Moi, je suis un comédien, mais je n'avais pas joué depuis très longtemps parce que je n'avais pas forcément le temps. Et j'ai écrit ce texte il y a 3 ans et j'avais envie de le jouer. J'avais envie de. Donc, c'est un seul en scène. Je suis tout seul sur le plateau et c'est mis en scène par Mathieu Roy, à qui j'ai confié la mise en scène. Donc, ça raconte finalement l'itinéraire. C'est un texte un peu autobiographique, mais plus que l'autobiographie. Pour moi, c'est un texte qui raconte un peu la jeunesse, justement, on est toujours sur cette question de jeunesse. L'itinéraire, en tout cas, d'un enfant des années 80, né en 73, qui a connu, qui a des souvenirs, en tout cas, de l'élection de Mitterrand, qui a grandi avec le début de la malbouffe, le début de la grande explosion des supermarchés, de la nourriture biophilisée, la nourriture où on prend pas forcément le temps de cuisiner. Donc, en gros, la malbouffe aussi qu'on connaît maintenant, qui est devenu écrivain malgré une classe sociale, il est issu d'une classe sociale moyenne, je dirais, moyenne classe, et qui va devenir écrivain, qui va sortir des livres régulièrement, qui va devenir papa, etc., etc. Alors qu'au début, effectivement, il naît plus petit que la moyenne, et puis ce rapport à la nourriture, au gras, élevé dans le gras. Et donc ça se passe dans une cuisine en fait, sur le plateau. Il y a une sorte de. Enfin, il y a une vraie cuisine parce que je peux cuisiner. Je fais un gâteau d'ailleurs, je cuisine pour de vrai. Il y a un vrai four, il y a une vraie plaque de cuisson, il y a un vrai frigidaire. Et en même temps que je parle, je fais un gâteau. Qu'on devait partager avec le public au départ, mais cause Covid, on ne le partage pas en ce moment. Mais peut-être plus tard, dans 1 an. Voilà, et c'est un spectacle qui a été créé à la Scène nationale du Mans et qui est en tournée depuis le mois d'octobre, en fait. On joue un petit peu partout en France et on vient s'installer 2 jours à Ernée.